Bonjour et bienvenue. On est reparti pour du Death Stranding. On va continuer l'histoire, enfin, dire ça c'est vite dit. Alors, on va continuer nos livraisons principales et on va essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire. Bon là on a les livraisons qui s'affichent à l'écran évidemment. Et on va voir si on peut avancer. Parce que comme j'avais dit la dernière fois, il va y avoir un truc qui va se passer, ok? Il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va prendre un peu de temps, il va y avoir du combat, il va y avoir de l'action, il va y avoir des très très belles cinématiques. Donc je sais pas si on a le temps de tout faire. J'ai envie de dire non. Je vais être honnête, j'ai envie de dire non. Donc on va voir ça. Donc on va sortir. La dernière fois on a débloqué le squelette pour... l'exosquelette là pour marcher dans la neige, dans les rivières et tout ça, vraiment pratique. On a débloqué quoi d'autre aussi? On a fait un combat contre 3 BT lions avec des cheveux là bizarres là derrière. On a failli crever, mais ça s'est bien passé. Allez, on y va, on sort. Voilà, parfait. Alors on n'a pas eu le temps de vraiment tester notre bras cybernétique là de Big Boss, enfin de Johnny Silverhands. Donc faudra le faire un jour ou l'autre. Je pense que quand je vais récupérer le bébé, je risque de faire un petit épisode secondaire, genre mission secondaire. Pour passer le temps. On doit aller là-haut, non, je crois, ouais. Pour passer le temps et pour... pour faire du secondaire, tout simplement. Hein. Pour juste faire du secondaire. On était passé par où la dernière fois? Parce que d'en haut, ça se voyait bien, mais d'en bas, ça se voit pas trop. Genre... attendez. Genre A, c'est où? Ok, c'est là-bas alors, ça marche. Vous voyez tout ça là? Ça c'est des gens qui sont morts en fait. C'est des rapatriés comme nous qui ont été tués par les BT. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Ah parce qu'il y a plein de... Il y a déjà des BT en fait, vous voyez? Il y a des traits noirs. Des cordons ombilicales. Mais là, il y en a aussi de plusieurs couleurs, et ça, c'est ce de Sam en fait. Bon, allez, on avance. Ouais. Il y a eu du combat. Ah, c'est possiblement les 3 lions qu'on a combattus. Les gens ont dû combattre les mêmes, du coup. Et certains n'ont pas dû vraiment, on va dire, survivre. Attends, là c'est juste la roboticienne, c'est pas loin. Oh, le camion. Oh, le camion, attends. On va prendre ça déjà. Ok, on l'a eu. Arrête-toi. Arrête-toi. Merci. J'arrive pas à... J'arrive pas. Si, c'est bon. Un peu la galère des fois. Ok, on y va, on avance. Ça va, c'est bien qu'on puisse passer par là, honnêtement. Vraiment pratique. Pourquoi il y a des tombées juste là? On va passer par là. Ok,
Ah, il y a des retombées pas loin en fait. Après, il y a. Il y a là aussi. Enfin bref. Un peu compliqué tout ça. Alors, elle, on doit lui faire une livraison, je crois bien, qu'on a pris. Ouais, voilà. Ça. Mais on l'a déjà connecté, donc on s'en fout un peu, mais bon, vu qu'on était à côté, pourquoi pas. Et après, on doit aller dans un autre endroit. Just the man I've been waiting to see. You've done me a great service, and that's no exaggeration. Bah, merci. Allez, 3 étoiles, yes. Tout terrain 2, parfait. J'avais dans l'espoir que ça passe. 3 étoiles. I suppose this isn't the first time, and it probably won't be the last. Can't do it all myself, can I? No one can. Si tu le dis. Du coup, on va changer. J'avais dans l'espoir qu'on puisse débloquer le niveau 2. Donc on va faire ça. Alors là, on passe... on était quoi? 230 là, 200, ouais, on gagne 30 kilos. On gagne 30 kilos. Et bien sûr, je crois qu'il est plus résistant et tout ça. Il dure plus longtemps aussi. Donc voilà, très bien. L'autre, il a été mis sur le dos. Terrain niveau 1 dans le casier privé. Alors, commande. Encore à station météo? Non, non, c'est bon, on n'a pas besoin. On y va. Alors, ça va être l'heure de regarder un peu la map. Ah, donc nous, on a eu des livraisons. Au docteur, là... Ah, j'en ai pris une là-bas aussi. Putain, mais je suis bête ou quoi? Pourquoi j'ai fait ça? C'est méga loin. Bon, ça devrait pas être très compliqué pour partir. On va faire comme ça. Bon, le problème, c'est qu'il y a les BT sur le chemin. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a les BT sur le chemin. Mais bon, on va se débrouiller. Ouais, ouais. Non, ouais, il y a encore les BT. Elles sont revenues très vite. C'est une zone rouge, quoi, en gros. Je pense. Je suis quasiment sûr que c'est une zone rouge. Enfin, j'appelle ça une zone rouge. C'est que les BT, en fait, reviennent extrêmement vite. En bas là, avec les vieux bâtiments. Ouais, ouais, ouais. Faudrait ne. Faudrait ne pas se faire choper en fait. Ça va être compliqué de passer en camion. Oh, oh, ça me questionne plus. Ça va être compliqué de passer en camion. Alors, on a le bolas et après on a ça. Okay. Ok, d'un. Attends, on peut aller jusqu'à 100. Rappelez-vous qu'il peut en avoir juste à côté. Il est où? C'est celui-là? Non. Ok, c'est celui-là. C'était un bébé, c'est pour ça.
Il y en a encore un qui se balade. On l'a excité. Okay, très bien. Ok, 50 ça suffit. 50 ça suffit. Pas besoin de le charger au max. Si jamais vous faites repérer, bouchez votre respiration, bloquez votre respiration. Mais bon. Ah, on peut se débrouiller comme ça. Hein. Ça passe, hein. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait comme ça, mais j'ai envie de dire que... Il y en a d'autres ou pas? Non. En plus, on se déplace assez vite dans la neige. Hé, bingo. Poche de sang vidée. Ah, on peut faire ça, oui. Je peux faire ça aussi. Je peux les appeler de loin pour les déclencher. Après, je bouche ma respiration. On devrait être bon comme ça aussi. Par contre, on va manquer de sang. Regarde s'il n'y a pas des objets intéressants. On devrait être bon. Ouais, on devrait être bon. Bah, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de changements d'équipement et tout ça parce qu'on doit les bloquer, on doit les tuer. Après, on peut tirer un peu à l'aveuglette aussi. Genre, si on les déclenche et qu'on voit un peu leur mouvement, après on s'arrête et on commence à tirer. Mais le mieux, c'est quand même de faire du bolas. Parce que sans le bolas, c'est un peu la merde. J'ai envie de récupérer ces trucs-là. Non, non, attends. Porter sur le dos, ouais. On va faire ça. Ligne droite dans le camion, vers le camion, et normalement on est bon, il n'y a personne. Il
Oh, c'est vrai que on peut mettre. Après, ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai jamais fait attention. Le poids des colis. Est-ce que plus le poids est élevé, et plus on fait mal ou pas? Ça, ce serait une bonne chose à tester. Ce serait une très bonne chose à tester. Parce qu'en théorie, oui. En théorie, complètement. Très bien. Il est un peu froid. Mais là, on devrait être nickel. Je suis content. Il nous faudrait un camion avec des armes dessus. Genre une tourelle lance-bolas. Un truc comme ça. Là c'est bien parce que si jamais on repasse par là, on aura un chemin tout droit. J'espère que en bas il n'y a personne. Mais vu qu'il y a des structures... Vu qu'il y a des structures, je pense qu'on est bon. Ouais, on doit être sorti de la zone. Attends, par contre, je suis en train d'aller au moins. Ouais, non, c'est bon, on est bon, on est bon. Parfait. Tout en camion, honnêtement, bravo. Très bien. Tout en camion, c'est médaille en plus, honnêtement. J'ai envie de dire. Et j'ai même envie de dire que... Bon, déjà, mets-toi, voilà, à l'arrière. J'ai envie de dire qu'encore une fois, le coup d'avoir des munitions en plus, ça aide énormément. Parce que sinon, on n'aurait pas eu assez de bolas. Surtout en ce moment, en fait. Le fait de ne pas avoir le bébé, on utilise beaucoup de bolas pour les découvrir, les BT, comme j'ai dit. C'est le meilleur moyen, honnêtement. Donc ça aide beaucoup. Bien. Voilà, parfait. Attends. Accepte quoi? Ah mais on avait rien à... Ah on avait rien à livrer ici. Hein? Oups, je pensais qu'on avait des trucs à livrer. Godzilla, ok, cool. Thank you for your contribution. Ouais, non, on a rien du tout. Non, c'est au docteur qu'on doit aller. Et après, en bas, honnêtement, je sais pas quand on va y aller en bas. Fais voir. L'alpiniste. Ouais, ça c'est pour ça, donc on va le prendre. On a les chaussures qui sont bientôt mortes. On va se débrouiller. Des antibiotiques pour l'alpiniste. Ben on a rien d'autre en fait. Ok, ça marche. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On va au docteur, puis après on va en bas. Et après on remonte. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Le docteur, c'est où? C'est là-bas. Faut qu'on aille sur le pont. Le pont qui était un tout petit peu plus bas. Oh mon dieu. Doucement. Vous imaginez si le camion... Parce que aussi, il y a ça aussi. J'avais expliqué que les camions peuvent pas se renverser. Peuvent pas se retourner ou tomber sur le côté, etc. Vous imaginez un peu si le camion pouvait le faire?
Il y en a un qui s'est planté. Lui, il s'est planté aussi. Enfin, lui, il peut peut-être remonter, là, lui. Mais l'autre, ouais. L'autre, il a abandonné. Ah, ouais. Mais vous imaginez si... si les camions pouvaient se retourner et tout ça, le bordel que ça serait. Mais on pourrait même pas prendre de véhicule, en fait. Voilà, parfait. Très bien. Hop, tout ça. On va regarder après s'il a pas quelque chose d'intéressant pour nous. Une livraison vers le relais de la montagne ou un truc comme ça. Merde, presque. Ah si. Est-ce qu'on a un cadeau? Chartreuse. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. Ah, dites-moi que c'est les poches pour les poches de sang là. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Poche de sang haute capacité. Yes. C'est pas du tout ça, j'avais pas ça en tête. Ok, lui il donne des poches de sang aux autres capacités. Donc c'est 1000 au lieu de 500. Au lieu de 500. Vous avez vu, elle est rouge. Ok, donc ça c'est son objet spécial à lui. Je m'en rappelais plus honnêtement. Poche de sang personnalisé intégrant différentes améliorations dans une capacité accrue. Et ce malgré une taille identique. Équipez-vous-en pour restaurer progressivement les niveaux sanguins de Sam par transfusion continue grâce aux menottes. Si vous portez plusieurs poches de sang, ouais, bon, etc, etc. On va tirer l'autre. Ça m'a sorti. Ok, celle qui était déjà utilisée. Celle-là, on peut la mettre. Dans le cul, là, mais... Do remember not to neglect your health. Good work. New order of it. Très bien. Recycler. C'est vrai qu'on pourrait peut-être recycler des choses. Je sais pas vraiment si on a des choses à recycler, honnêtement. Mais ouais, donc lui, il vous donne des poches de sang haute capacité. Donc si jamais vous lui livrez plein de choses... je crois que quand il y a un objet spécial, à chaque fois que vous faites une livraison dans cet endroit-là, vous allez pouvoir récupérer l'objet spécial, en fait. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Je me rappelle plus vraiment s'il y a des moyens d'en avoir plusieurs, enfin rapidement, on va dire. Alors attends, roboticienne... Non. Limite de temps. 168 kilos par contre. Et après on a urgent. Ok. Ah ouais, là par contre tu me donnes du boulot là, mec. Des cryptobiotes. En fait, en gros, c'est des continus. C'est ça qui est marrant aussi. Parce que si vous regardez, si vous prenez le temps en fait de lire les descriptions des livraisons et tout ça. Genre là, c'est cryptobiotes, fraîchement récolté à Serug, ne pas immerger ses marchandises dans Carlos s'infiltrerait, blabla. C'est que le mec, en fait, il fait sûrement des recherches sur les cryptobiotes. Donc il en a fait des synthétiques. Et on devait vite les livrer. Maintenant, on a des. Maintenant, on a 168 kilos de cryptobiotes à ramener. En plus, donc le mec, il fait vraiment des. On va dire qu'elles ont du sens en fait, les livraisons. Parce que le mec, c'est un docteur et tout. Donc il est là à vouloir aider les gens et trouver des méthodes. On est bon. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Oh la vache. On a rien abîmé. Non, il n'y a rien qui a brillé rouge. Non, on est bon. Ça, il faudrait l'augmenter, cette batterie. Scan.
On peut pas faire en moins d'une minute. On a fait en moins d'une minute. Est-ce qu'on est assez proche? 6 sur 6. On a fait en moins d'une minute. Regardez-moi toutes ces caisses, quoi. Hey, Sam. Welcome back. Tough journey as always, I bet. Wow, how did you get this here so fast? I tell you, you never fail to impress. Ouais, non, même moi, je sais pas comment on a fait. Même moi, j'avoue, je sais pas comment avoir fait ça. We're going to get through this because of you. Thank you, Sam. Good work. Très bien. On va aller récupérer sa livraison qui est vers le relais tout en bas. Comme ça, on fait une pierre de coup. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais passer en fait près du repère pour qu'il disparaisse. C'est vrai qu'il est pas mal ce pont. J'avoue. Il y a celui-là qui est bien aussi, c'est juste l'autre côté là qui est un peu chiant à pratiquer, mais honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire mieux en fait. Après, bon, on a les tyroliennes. Moi je veux faire ça, urgent. Charge lourde, c'était combien? Oh, 720 kilos. On va peut-être devoir décharger le camion. Il reste un truc. Squelette de célérité, on le décharge. Normalement, on est bon. T'es sûr qu'on peut pas le mettre? Ouais, non, ok. Ouais, non, c'est bon. Bon, on vous laisse ça par terre. On vous laisse ça par terre. Ouais, gotcha. Doucement, doucement. Ok, go. Alors maintenant, il faut pas se planter. On va pas aller à l'alpiniste. On va aller. Relais nord, ok, attends. Si on va au relais nord. Ouais, on a qu'à faire gauche. Directement. Oh mon dieu, putain de rocher à la con. On devrait être bon. On est déjà passé par là. Donc je devrais pas trop avoir de problème. J'ai juste peur pour la batterie du camion en fait. Surtout ça. Mais bon, après on a des CCP et on peut mettre une batterie directement. Allez, go. Juste là, on a un pont. Ah merde, déjà.
On va prendre le pont, on va passer sur l'autre rive. Enfin, je crois. Oui, non, c'est là parce que à gauche il y a les BT. Oh la vache. Ok, on est dans le rouge, super. On va pas s'arrêter. La batterie juste là, on va pas y arriver. Putain de merde. Même chose que la dernière fois. Même chose. Exactement la même chose. Très bien. T'as 3 minutes, ça va. Mais bon. Ah, je sais pas trop comment mieux faire en fait ici. À la limite, il faut qu'on change de camion. Faut qu'on... Ah ouais, mais non. Enfin, la charge, elle est importante. Ouais, non, je sais. Ouais, non, il n'y a pas trop de choix en fait. Faut juste plus de batterie, en gros. Elles sont loin, on devrait être bon. Mais y a quelqu'un qui a récupéré notre matos et tout ça. Genre à ce moment même. On a récupéré des likes et tout ça, c'est bien. Je déteste ce jeu. Putain, on va pas y arriver. Hein. Ah, couverture chirale inexistante. Sérieux. Je sais pas quoi faire. Il nous faut un autre camion. Il y avait un camion derrière nous. Mais maintenant c'est un peu tard. Et tout est trop loin. Oh, quelle merde. Bon, maintenant c'est trop tard. Ce que j'allais dire, peut-être qu'on pourrait... Peut-être qu'on aurait pu... prendre... deux transporteurs flottants. Je sais qu'on doit changer de...
des bots aussi. Ah, je suis un peu... Récupère le véhicule. On va récupérer celui-là. Ok, let's go. On va transférer dans celui qu'on a. Ouais, il va nous falloir un camion avec des batteries en plus ici. Tant qu'il n'y a pas le, la... comment ça s'appelle, la, l'autoroute, la, c'est, de la, c'est horrible. Tant qu'il n'y a pas d'autoroute, c'est horrible. C'est pas loin en plus, hein, c'est vraiment pas loin. Alors... Non, il y avait trop. Je pense pas que ça se serait passé avec deux transporteurs. Ah, c'est bon. C'est con, je pense pas qu'on va avoir S. Allez, tourne! Oh mon dieu! Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait S. Et il est rouge lui aussi. Il est chargé à bloc. On arrivera avant les 8 minutes. Je suis trop... On arrivera après les 8 minutes. Voilà, très bien. Ah, quel con, pourquoi j'ai avancé comme un débile aussi dessus ? C'est vraiment bien. Ouais, alors là. Je suis quasiment sûr que. Pourquoi 28 minutes? Je suis sûr que c'était. Fallait le livrer avant 8 minutes. Parce que sinon, pourquoi 28? Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Hey Sam. You made it, huh? That's a relief. Thanks for not keeping us waiting. I appreciate it. Et on passe. Il y a trop de trucs. Ouais, ouais, ouais. 499, on a eu. Ouais. Bon, on a fait une grosse commande, donc bon, on a gagné une étoile en tout, mais ouais. Batterie supplémentaire niveau 2. Ah, ça m'embête, hein. Je suis sûr qu'on a perdu le S pour pas grand chose. Maître Coursier, beaucoup considèrent que vos talents de porteur sont pour ainsi dire légendaires. Alors, atteint rang 50 dans volume de livraison, vous pouvez transporter plus de marchandises. Ouh, coursier éminent. Il ne vous reste plus qu'à vous... Quoi ? Il ne vous reste plus qu'à vous devenir le meilleur livreur de votre génération. D'accord. Rang 30, délai de livraison, vous fatiguez moins facilement. C'est bien ça. You know, I still can't believe we've got a guy like you on our side. Thanks again for everything. Ah, je suis énervé. Good work. New order available. Je suis dégoûté. On va d'abord changer de... Ouais, 235 maintenant. On a gagné 5 kilos. Ah, vous avez vu, là, il y a un plus avec à côté de la poche de sang. Non, ça. Sont les chaussures. Oh, j'ai pas de chaussures de remplacement en fait. Depuis quand j'ai pas de chaussures de remplacement? Est-ce que c'est renforcé? Personne qui a des chaussures?
Vous êtes sérieux? Bon bah. Bon bon bon. Par contre, il y avait des grenades, j'aurais pu les prendre. Notre père. Désolé, là c'est un peu... Eh. C'est pas vraiment très très excitant, j'avoue, ce qui se passe là. Casier partagé... Récupérer... On va se reposer dans la chambre privée. Et on descend même pas avec le camion. Parce que je suis pas sur la plateforme. Tout de travers. Tout de travers sur cette dernière mission. Vous voyez, ça, ça m'exaspère, ça part. Mais tout de travers. Aïe, 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 aïe. On va regarder nos missions. Nos missions, nos emails. Alors, je suis allé jusqu'à la grève. Avant votre arrivée dans notre poche de sang, j'étais ainsi dire condamné. Je me souviens que j'étais étendu sur une civière. Un époque m'appelait mon nom, j'attendais. Ok, cool, ça fait peur. Alors le docteur, Sam, avez-vous essayé cette poche de sang haute capacité que j'ai faite pour vous? Elle devrait vous être bien utile, c'est sûr et certain. J'aimerais bien pouvoir vous les imprimer à la demande, mais c'est pour le moment impossible. Les matériaux standards ne suffiront tout simplement pas. Donc oui, en gros, voilà, ils justifient le fait qu'ils aient des objets spéciaux parce qu'ils ne peuvent pas les imprimer avec les imprimantes chirales. N'hésitez pas à passer pour en récupérer à l'occasion, ça dit que faire pourrait bien vous sauver la vie. Ouais, cool. Roboticien, déjà de retour, ma foi, tentez le bâton, faire battre. Dans ce cas, laissez-moi vous embêter encore un peu. Vous avez déjà parlé du syndrome du drone, de la dépendance, de la livraison, n'est-ce pas? Oui, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est... Non, mais c'est pas vraiment intéressant. Alors, fais voir. Ouh, Godzilla. Godzilla. Godzilla, Godzilla. On a un entretien. Point de vue des terroristes sur Bridges. Ouais. Après, c'est vraiment si vous voulez lire un peu plus sur le lore de Death Stranding. Je ne lis pas tout ça parce que sinon ça prendrait trop de temps. En fait, on perdrait des épisodes juste à lire. Mais ouais. Vous pouvez toujours faire pause, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Je pense qu'on... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. D'abord, je voulais juste montrer ça. Donc maintenant, on a la batterie niveau 2. Genre, ça c'est là. Alors, la batterie niveau 1, elle est jaune. Un peu vieille, on peut voir. Enfin, un peu vieillot. Et maintenant, on a la batterie donc niveau 2. Donc elle a l'air un peu plus jeune. Elle est gris. Alors, version améliorée de la batterie supplémentaire niveau 1, elle est désormais plus performante et dispose d'une capacité accrue, et ce, malgré une taille identique. Équipez-vous-en afin d'augmenter la capacité de batterie disponible pour les squelettes classifs et autres équipements. Il est possible de s'équiper de plusieurs batteries supplémentaires à la fois. Comment on pourrait se... Ah oui, comme ça, une et deux. Ouais. On pourrait faire ça, ouais, deux batteries. Je vois pas vraiment à quoi ça servirait d'avoir deux batteries, honnêtement. Mais ça nous aiderait pas pour les véhicules, de toute façon. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est garder une batterie et avoir le chargeur à munitions. Ouais, moi j'aurais bien voulu ça. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Tu veux pas y aller? Non, moi j'ai envie d'y aller quand même. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin inverse. Et on va remonter la pente pour se remettre dans les montagnes. Parce que je crois que l'alpiniste, c'est le dernier endroit qu'on doit voir. Je sais plus. Je sais plus, honnêtement. Il y
y a les blindages aussi qu'il faut qu'on refasse. Parce que nos blindages sont tout pourris. Au pire, on s'arrêtera au milieu pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais, nos blindages étaient quasiment morts. Parfait. Pour les blindages, vous vous rappelez le mec qui nous les a donnés. Ah, il est pas très loin d'ici. Il est sur la route, bah tiens, entre ici et sur le côté droit. Enfin bref. Si jamais... Attends, si je mets tout sur le dos et je fais ça... Yes! Vous pouvez mettre tout sur le dos et après vous faites triangle, comme ça, il les équipe directement. Ce que vous pouvez faire, c'est augmenter... l'affinité avec lui, et je suis quasiment sûr qu'il va vous donner les blindages niveau 2. Quasiment sûr. Ce qui serait logique en fait. J'ai pas regardé les livraisons, c'est bien, je fais tout de travers. Je fais tout de travers la fin de cet épisode, c'est une horreur. Je dois voir s'il y a des choses... Non. Fun Docteur, peut-être oui. À la limite, le docteur, c'est pas très dur. J'ai envie de dire. Il y a le camion, je voudrais changer le camion aussi. Grande autonomie. Grande autonomie, mais il n'y a qu'une seule batterie sur les côtés. On va voir. On va faire comme ça pour le moment. On va faire fabriquer un camion. Grande autonomie et défensive. Grande autonomie. Quoi ? Possède déjà 4 véhicules, oui. Grande autonomie, c'est avec une seule batterie sur les côtés ? Ah oui, non, c'est ça. Parce que je pensais qu'il avait perdu une batterie complètement dans ma tête. Mais non, c'est ça. Le camion 2. Ouais, on va tout transférer. Hop. Botte de terroriste. Je vois pas pourquoi on se trimballe ça. Alors, véhicule 1. Voilà. Voilà. Tant que c'est pas blindage, je pense que la... Je pense qu'il peut quand même transporter pas mal de choses. Mais il nous faut un camion grande autonomie là-bas. Parce que là, on commence un peu à lutter. Surtout entre ici et les montagnes. Après, du coup, j'ai un doute sur... Les camions de défense, de voir un peu là. J'en vois là. Il faudrait que j'aille dans les options que je regarde. Les batteries. Là, c'est pas grave. Céramique. Céramique. Voilà, très bien. Bon bah du coup l'épisode. Hein. On y va. Ouais, il faudrait que je regarde moi-même les batteries. Si c'est mieux d'avoir un défensif ou alors haute batterie. Oh la vache, le saut qu'il a fait.
L'alpiniste il est là-haut je crois. Nous on va aller au docteur d'abord. Ouais, ça a pas bloqué, c'est pas grave. J'espère qu'on va pas... Oh. Non, ça va, ils nous ont pas vu. Ils ont pas vu la direction qu'on a pris. Quoique... On va devoir se bouger les fesses. Il est déjà dans le rouge. Me refais pas le coup, me refais pas le coup, je t'en supplie. Merci. À gauche ou en avant? On peut faire à gauche. Merde. Je voulais pas... Je voulais reculer à côté. J'ai reculé dessus, putain. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mon dieu. Il y a des joueurs comme ça. C'est pas grave. Ça arrive. Ah voilà, parce que peut-être que ça c'est mieux en fait. Camion comme ça. Je me rappelle plus moi vraiment. Alors, c'était pas là, c'était ça. Ah, c'était ça. Pardon. Et tourne. Oh la vache. C'est le chemin qu'on avait pris quand on avait Mama avec nous. C'est son dernier chemin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh la f... Bien joué. Ah mon dieu, mais je... Oh la vache, je vais casser un truc. Je vais casser un truc. C'est en fait... Je peux pas vraiment vous expliquer le gameplay du véhicule. Le gage... C'est compliqué d'expliquer un gameplay, ok? Et le camion, des fois, quand il se bloque... On va dire qu'il accélère automatiquement seul. Et c'est très 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 frustrant. Attends, tu te fous de moi, il y a des BT ici? Non. Non, c'est juste qu'il pleut. Je dois en avoir pas loin, mais... On n'a pas au relais, quand même. J'ai envie de le replacer, ce... Inconnu. Lance-bolas inconnu. C'est marrant, ça. Ramasser une marchandise à bande. Oui, ça a pris un coup. Désolé. L'intérêt de me donner... Oh yes!
Je veux une haute, haute capacité. Oh yes. 4 étoiles. Ouh, 260. 261, pardon. Oh, by the way. Yes. I came across something I thought you might find useful. You're more than welcome to it. On a une autre capacité enfin. Une nouvelle. On va mettre ça dans le véhicule, hop. Do remember not to neglect your health. Good work. Merci. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est... Non, on a deux. On va équiper ça là. C'est garder en fait les hautes capacités pour des combats de boss, j'ai envie de dire, dans un sens. Mais bon, le mieux c'est juste de faire plusieurs livraisons ici et d'en récupérer le plus possible. Oula! Vous avez vu là-haut? Ça n'a pas l'air fun. Bon, en tout cas, on va aller se reposer. Je crois qu'on a fait toutes nos livraisons. Peut-être pas. Non, ça, ah oui, ça, ce sont des colis perdus. Je crois qu'on va donner nos colis perdus. Je crois qu'on va donner nos colis perdus. Et merde. Très bien. Et on avancera. Je fais ça exprès, je sais un peu trop. On va dire que je sais un peu ce qui se passe après. Donc ouais. Ça va être un peu compliqué de garder des colis supplémentaires. Ça va être un peu. Ça sert un peu à rien. On va donner tout ça. Et on va se... je regarde juste si on a vraiment plus que ça à faire. Commande alpiniste. Ouais, on va faire l'alpiniste après. Est-ce qu'on a besoin de s'équiper mieux ou pas? Honnêtement, pas vraiment. Mais j'ai envie de dire que les poches de sang de haute capacité, elles vont être utiles au final. Elle va être utile juste pour ça. C'est pas pour rien que on rencontre ce mec là. Maintenant, le docteur. Tout est bien ficelé dans le jeu. Mail reçu, réseau chiral pourrait finir par nous éloigner. Quoi? Ah, il y a déjà des gens qui se plaignent. Après, j'ai envie de dire que l'internet c'est un peu pareil, on est tous reliés mais on est tous très loin les uns des autres. Et des fois c'est pas... Eh merde, c'est pas ça que je vais faire. Des fois c'est... Ça agit un peu... Ouais, sens inverse quoi. Alors fais voir un peu ça. Non, pas commande, email. Le chat pourrait finir par nous éloigner. Terminal médical remplit parfaitement ses fonctions. Si nous pouvions nous équiper tous les abris de préparation, serions bien plus même de soigner les blessés et les malades. Le problème, c'est que je suis le seul à savoir m'en servir pour l'instant. Nous devons continuer de l'améliorer et peut-être apprendre à des IA à répondre aux besoins des patients à notre place. Mais en terre, ne risque-t-il pas de nous isoler? Et un peu, ouais. Un peu. Bon ben, je pense qu'on est bon, ça je l'ai déjà fait je crois. On va s'arrêter là, je suis désolé un peu sur la fin de l'épisode, c'est juste le coup de dépasser les 8 minutes, ça m'a un peu fané en fait, et j'avais plus trop envie de continuer, j'avais envie de recommencer honnêtement. Ça aussi c'est vrai que, pour ceux qui savent pas, je vais le montrer, je montre jamais les menus et tout ça, mais... si jamais... on va sauvegarder.
vous voulez charger, le jeu fait très bien les choses parce que le jeu a 3 types de sauvegarde en fait. Vous avez les sauvegardes manuelles, donc c'est ce que je fais à chaque fois moi. Et après vous avez les points de contrôle qui se font automatiquement quand vous prenez des livraisons, quand vous rendez des livraisons. Mais après il y a aussi ça, les sauvegardes automatiques. Et les sauvegardes automatiques, en fait... c'est l'inverse. Les sauvegardes automatiques, donc c'est quand il y a des livraisons. Et après il y a les points de contrôle. J'ai cru que les points de contrôle étaient tous sur la droite, mais non, ils sont au milieu. Les points de contrôle, en fait, vont marquer des moments en fait importants du jeu, en gros. Enfin, on va résumer ça comme ça. Mais vous voyez qu'il y a des points de contrôle, même qui reviennent, genre, quand on a combattu le premier lion, quand on avait Mama sur le dos, par exemple. Il y a des points de contrôle, en fait, extrêmement vieux, qui reviennent extrêmement loin. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant d'avoir des points de contrôle. Donc voilà, c'était pour vous dire, parce que sauvegarde manuelle, point de contrôle et sauvegarde automatique, c'est rare en fait d'avoir autant de différentes sauvegardes dans un jeu. Et ça vaut le coup, ça aide énormément pour ça. Ça aide énormément pour le jeu. Si jamais vous avez fait des erreurs ou que vous voulez recommencer un point précis. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. La prochaine, ça sera action, vous inquiétez pas. La prochaine fois, ça sera très très action. Et j'espère qu'on retrouvera notre petit bébé 28. Voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.